Salut à tous, Cookie Garage. Là, je finalise une boîte et je vais vous montrer une petite trouvaille que j'ai faite. D'accord? Je ne connaissais pas, je l'ai découverte et je l'ai prise pour mon nouveau projet. Alors, donc, on a une boîte 4 traditionnelle, ok, avec le camembert, qui aime bien la plier. C'était des boîtes de Paned. On les retrouve aussi sur les Chauvel. Et après, c'est passé avec le chapeau Rotary, qui c'est mieux pour, c'est moins joli, mais c'est plus pratique pour le passement de vitesse, c'est mieux. Alors regardez, là, je vais vous parler aujourd'hui de ce kick. Alors j'ai trouvé ce kick. Là, je viens de le remettre en état, il était mal monté simplement. Alors je l'ai graissé. Regardez, une bonne pédale. Pour une bonne prise, parce que des fois on a des pédales, c'est juste des petits tubes, tu mets ton pied dedans, tu glisses, surtout s'il n'y a pas de grip, ça c'est pas bon, hein. Un retour de kick, si c'est assez puissant, ça te tape dans le mollet, ça te fait une béquille, hein. Et celui-là, il est particulier, regardez, c'est pas magnifique ça, une bonne prise en pied, quoi, tu poses tout ton pied dessus, c'est incroyable. Je trouvais ça. Bon, c'est gadget, mais c'est beau. Et c'est du bon boulot, hein. C'est un truc solide. C'est pas un truc, tu vas mettre deux coups de kick, ça se pète, quoi, tu vois. Ah, j'ai trouvé ça, je me suis dit, non, c'est pas mal du tout. On va partager ça avec nos copains. Regardez ça. Puis c'est une belle. Il y a des belles finitions. Vous voyez? Pas mal du tout. Utiliser simplement comme un kick normal. Si tu galères, tu mets ça. Donc, petit cookie, vous partage cela. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Passion Chauvel, sur Insta aussi. Petit cookie, Francky Harley. Regardez ça, magnifique. Ça va être posé là-dedans.